mấy giờ mới mở cửa hả cô? Nay nghỉ em à. Ở đây nghỉ hả? Bon, pas de chance aujourd'hui. J'aurais mangé ça, le ban can, c'est une des spécialités de 27. Et c'est fermé. Bon, c'est pas grave, je vais trouver un autre. Il y en a deux ici. Bon, celui-là, c'est le plus connu. Il y a un deuxième. Je sais pas s'il est ouvert en fait, donc faut que je le voie. Je suis enfin arrivé. Ça fait partout une des attraites de Ban Can de 27. Je ne sais pas s'il est bon. Bah, moi, de première vue, je vais faire l'autre, mais comme il est fermé aujourd'hui, j'ai pas le choix. J'ai vraiment très faim. Donc, on va essayer quand même, mais enfin, on verra. Dans ce quartier, il y a pas mal de petits restaurants populaires. Juste derrière, vous en avez un comme Binzang, pareil. Et derrière, il y en a aussi. Donc, je vais manger ici. Et j'ai bien envie de manger un banseo là. En fait, banseo, bah, c'est connu. Apparemment, il y en a pas mal. Donc, si j'ai encore le ventre, j'irai manger un banseo. Voilà. On prépare. Cette pâte là, ok. Alors, faut savoir que Ban Can c'est très particulier, c'est un plat typiquement du sud. Servir moi-même mon... Alors les gars, Ban Can, c'est le nom du plat. Mais en fait, ça reste une soupe. La pâte là, c'est fait à base de farine de riz et de manioc.
ça, vous avez de, comment ça s'appelle ça, j'ai perdu le mot, c'est des poissons frits. Ça, pareil. Donc, ouais, je vais prendre la soupe, c'est super bon. Ouais, c'est très bon. Enfin, Bankan, comme je disais, c'est très sud. C'est un des plats du sud. Mais vu que c'est comme du sud, vous pouvez, même dans l'état du Mekong, vous avez des Bankan. Et en fonction de chaque région, chaque ville, ils ont leur particularité. Les Bankan, c'est ça en fait. C'est les pâtes toutes blanches. C'est vraiment très bon. Alors j'ai oublié, il faut mettre un peu de légumes dedans. Mais vraiment beaucoup de légumes. Alors ça aussi c'est une particularité de, du restaurant. Et ça c'est la patronne. Et c'est des vermicelles de riz avec des intestins de porc. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très bon. Il faut manger avec ça, la sauce, et on appelle ça des crêpes. Donc c'est très vietnamien. Je ne sais pas si j'aurais le temps d'essayer, quoi. Et on verra. Ok, on va tester ça, c'est bon. Ok. Đây là ăn khô với ăn nước được rồi đúng không? Dạ, khô thì mì thì trộn, còn nước súp thì để riêng. Ok. Dạ, chén nước súp thì có hoành thánh này nè, bỏ trong chén nước súp. Mì lại thịt xá xíu thì mình trộn xong rồi là mình để thịt trên cái tô mì. Ok. Dạ, cả này để trong chén nước súp. Ok, cảm ơn. Voilà, elle était nous expliquer les plats. J'ai compris. Bon, la patronne m'a demandé de filmer l'intérieur de son... Ah ouais. Il y a toutes les images de tous les plats là. Ça aussi c'est pas mal. Cái đó là hủ tiếu Ninh Giang anh. Cái trong cái cảnh hỏi lòng mèo. Rồi tới hủ tiếu Ninh Giang. Rồi tới tiếu xương. Rồi những cái hải sản. Những cái mì cá. Ok. Dạ. Rồi đây là hủ tiếu khô. Hủ tiếu mì khô. Cái này là hủ tiếu lòng, cuối cùng là hủ ngọt. Có thể xong chị, tính tiền nha. Dạ. Bao nhiêu tiền chị? Dạ, có anh con, cái này mời anh đi. Lấy 30 à. Le Bankan, ça m'a coûté 40 000. Au début, la patronne nous disait non, je t'invite aujourd'hui, et là, je viens pour manger, donc je paye. Et elle a voulu vous faire payer 30 000, vous êtes 40 000, donc je vais vous prier. Elle m'a dit de repasser le matin, parce que le matin, il y a toutes les choses. Donc pour eux, c'est le gouvernement, ben, ça, je passerai. Donc voilà, c'est une bonne adresse. Donc maintenant, on va manger Bankan. Bankan, non, Bankan. C'est une sorte de mini Bankan. Je vais voir, c'est très bien. Ça aussi, c'est la particularité de la région de Bankan. La plupart des restaurants Bankan que j'ai cherché, j'ai trouvé, ils sont tous ouverts à 14h, 15h ou à 17h. Donc le seul qui est ouvert actuellement, là, il est à 300 mètres. Donc on va aller voir tout de suite. Là il est quoi, il est midi 30, presque une heure, je sais pas, je vais attendre 2 heures ici ou je reviens après ou comment ça se passe, je sais pas, aucune idée. Allons faire un tour et on verra. Bon les amis, la plupart des restaurants des petits bubis Bankan là, à Bankan, ils sont fermés, ils ouvrent seulement entre 14 et 15 heures.
Du coup, au lieu de faire des queues, il appelle, enfin j'étais là-dedans, il appelle midi. Du coup, bon, je suis rentré sur Bonner parce que vers Bonner, plus bas, il y aura aussi parce que c'est la spécialité de la région. Donc du coup, je vais rester à Bonner, passer à la piscine, quoi. Et on ira manger ce soir vers 16h, 15h. Comme ça, je vous montre un peu où il faut manger quand vous êtes à Bonner. Là, en attendant, je mange une glace. Hein. C'est aussi un de mes trucs préférés. En plus, il tape là, le soleil tape, donc la glace, ça va me faire des pires. Allez, à tout à l'heure. Đi bạn anh đấy. Bạn anh hai cái người khác à? Đúng rồi. Dạ anh mua rồi. C'est non. Bon, il faut savoir qu'à Bonner vous avez des perles. Là on est au Long Beach. C'est une chaîne, vous en avez à Fukuok aussi. Depuis que c'est ouvert, c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans cette boutique. C'est vraiment très grand. C'est des perles, je pense qu'ils déperdent l'élevage du Vietnam. Et c'est vraiment très grand. Très très grand. Bánh xèo bao nhiêu cái? 6 ngàn. Còn bánh căn? Bánh căn là bé thêm phần. À, vậy đấy em còn bánh căn, còn bánh xèo ha? Còn bánh thịt ăn hết không? Hả?
Một cái bánh xèo phải không? Một cái bánh xèo thôi, với một hộp bánh căn. Bánh căn có ăn hải sản không? À, bánh căn thịt đi, một thịt một hải sản. Một loại tôm, loại trứng. À, ok. Donc j'ai enfin trouvé un truc qui est ouvert là. En fait, à partir de 4-5 heures, c'est pas difficile à trouver parce que ce sont des trucs, sont des plats traditionnels de la région, donc c'est pas difficile. Il y en a derrière aussi. Donc là, c'est des bánh xèo. Et ça, c'est des bánh căn. Je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. C'est des petits restaurants bibi au bord de la route qui payent pas de mine. Hein. Mais c'est super bon. Xèo làm bằng bột gì vậy? Bột gạo hết. Bột gạo hết, cái này cũng bột gạo hết hả? Bột gạo tôi xay ra đó. Bánh xèo, một cái xèo với lại một phần bánh căn. Đủ một phần bánh căn là mấy cái? Dạ 10 cái như vậy. Một phần tới 10 cái này hả? Đó, 10 cái như vậy á. Nhỏ không chú ạ? À, không hết đâu. 10 cái đang nói có ai được. Gì đâu, không hết. Bò ngô, bánh xèo. Thì ăn chắc thì vi min một bánh xèo 8.000 đúng không? 8.000 một cái căn bằng 10 cái là nhiêu? 30.000. Alors sinon bánh căn, bánh căn c'est ça? C'est 30.000 la portion. 30.000 c'est 10 morceaux comme ça là, des gâteaux. Donc il y en a 10. Je sais pas si je vais en finir hein. 30.000. En fait, les gens derrière, c'est leur maison. Hein. Les gens, ils vivent derrière. Hein. Ah, c'est prêt. Donc, 30 comme ça. Je sais pas si je vais finir. Il y en a 30 comme ça à manger. Non, pardon, 10. 10, donc 30 000 ça fait. Alors que ce soit bánh căn ou bánh xèo, ils sont tous faits à la base de farine de riz. On vient à Bonaire, mais on reste toujours dans les zones là où il y a des résidents, etc. Mais c'est pas tout à fait Bonaire. Là, on est vraiment à Bonaire. Le centre de Bonaire, il est à 20 km environ de tout ce qui est la zone d'hôtel et résort. Donc là, j'y suis là. Et je suis en train de manger la spécialité de la région, de toute la région Bitcoin, à Benseo et tout. Et il y a aussi une espèce de siumai. Et pour manger. Pour manger, comment dire, bánh căn, il faut manger avec la sauce de poisson. Ça a l'air très bon. Je sais pas.
pas si ça va donner, mais ça a l'air très bon. Donc voilà, je vais commencer par la sauce de pam. Non, pas de pam, c'est du comment dire, poisson au caramel. C'est particulier, hein. Très particulier. Hop là, je vais attendre que c'est deux pommes, ça va pas prendre. Et donc voilà, si vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas besoin de faire 20 km pour aller jusqu'ici, hein, parce que tout le long de la route, vous les retrouvez. Mais moi, j'aime bien parcourir la route pour trouver tout ce qui est particulier. Voilà. Ah là, voilà. Allez, bouton, bouton. Donc ça, c'est le Bensel. Bon, Bensel, c'est pas vraiment la spécialité de la région, il y en a partout. Mais la particularité de Bensel, de la zone de Bentro, c'est qu'il est tout petit comme ça. Donc il faut manger un peu avec des légumes. Hop là. Allez, c'est parti. Il y a un peu de mousse.